Yes, ici. Et aujourd'hui, on est sur le bateau de Jean Cartier pour lui faire une interview durant son voyage en Amérique. Mais avant de parler à Jean Cartier, nous allons parler à un matelot qui s'appelle Jean Paul. Je vous retrouverai quand on l'a retrouvé. Rebonjour mes chers Français. Nous avons trouvé notre ami Jean Paul, qui est l'un des matelots qui nettoie le bateau de M. Cartier. Bonjour Jean-Paul, que pensez-vous de votre mission en Amérique jusqu'à maintenant? Je suis pas le plus content des matelots car on est 52 matelots et sur deux bateaux, c'est moi qui fais le balai. Bon, ben en tout cas, je suis très désolée pour vous, monsieur. J'espère que ça va mieux pour vous plus tard et j'espère aussi que vous passez un merveilleux voyage. Bah, ouais. En ce moment, nous sommes en train d'arriver en Amérique. Ceci va être la première fois qu'on pourra tous voir ce nouveau continent. Et ne vous inquiétez pas, quand on aura trouvé M. Cartier et qu'on sera arrivé en Amérique, nous irons parler. Bonjour, maintenant que nous sommes arrivés en Amérique, allons parler à M. Cartier. Donc, M. Cartier, comment était vos voyages jusqu'à présent? Très très bien pour le moment. Bien sûr, il m'a pris beaucoup beaucoup de temps, mais ça vaut la peine parce qu'il y a vraiment beaucoup de beauté ici à voir. Ok, puis qu'est-ce que vous espérez trouver en Amérique? Ben, je sais pas, peut-être des minéraux, de l'or, du fer, ou peut-être des chemins dans des nouveaux passes. Sinon, on va prendre des ressources qui vont être utiles pour nous. Ok, ben merci beaucoup. Je vous assure que vous avez une belle voyage. Merci beaucoup. Maintenant, avant de finir la soirée, allons parler au chef des Algonquins, Donnacona. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Et Donnacona, que pensez-vous des Français qui viennent prendre notre territoire? Je suis plutôt contrarié. Ils ont planté une croix sur notre terre hein, qu'on entretient depuis plusieurs décennies. Et si je pouvais les arrêter, je le ferais. Mais je n'y peux rien. Ok, ben merci pour cette information. Mais ça, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je suis François d'LBF et je vous reverrai demain pour un autre reportage.